Coucou les addicts, j'espère que vous allez bien. Donc là, vous voyez la petite tête de ma tounette qui ne quitte plus sa maman. Regarde-moi ça, elle est belle. Et donc voilà, et on se retrouve donc pour une vidéo haul Temu. J'ai racheté des produits sur Temu, alors des produits dont j'attends beaucoup. Je couperai au montage ou je mettrai sur pause à chaque fois que je déballerai parce que ça risque de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de bruit. Désolée pour la lumière, hein. Comme d'hab. Donc, premier produit, j'ai pris ceci. Donc, c'est plus des produits, c'est moins des produits de beauté là que j'ai pris. C'est vraiment des produits qui vont me servir pour filmer et tout ça. Donc là, c'est cool. Donc, c'est un kit making, kit, ben, c'est un kit making, vidéo making kit. Donc, dedans, il y a, vous voyez, donc il y a on peut le tenir, donc soit pour faire des vlogs ou quoi que ce soit, mais après on peut le poser, donc on peut y mettre son téléphone ou sa caméra. Là, c'est un petit, c'est un truc de lumière et il y a un micro. Donc c'est assez complet, donc soit on le pose sur pied, soit on le tient à la main comme ça. Donc voilà, donc ben, c'est plutôt pas mal, donc on va voir ce que ça donne. J'en attends vraiment beaucoup, on verra ce que ça peut donner. Produit suivant, c'est tout mimi. C'est un bandeau pour faire les challenges. Mais c'est un bandeau avec des oreilles de renne. Bon, j'ai trouvé ça mimi, hein, pas cher et tout. Ça en fera un de plus. Et puis bon, voilà, pour la période de Noël, j'en mettrai un d'actualité. Produit suivant, donc j'ai acheté, oui, une ring light. Comme ça, il y aura une ring light. Je vais essayer de l'ouvrir et je fais sur pause, je l'ouvre et je vais essayer de la mettre comme ça. On va voir ce que ça va donner tout de suite. Alors, juste avant de la poser, donc elle est comme ça. Bon, pas très grande, mais bon, on verra en attendant. Il y a un pied, si on veut la poser avec un pied. Donc, c'est réglable. On peut la tourner dans tous les sens. Et c'est port USB. Hein, voilà. Et donc il y a différentes couleurs qu'on peut choisir ici. Alors je vais chercher la rallonge parce que bah, j'avais enlevé la prise USB puisque je n'avais plus de ring light. Donc je vais la ramener. Donc me revoilà. Donc j'ai branché le ring light. Donc elle est derrière. Je l'ai mise en couleur un petit peu orangée parce que blanc, waouh, ça. Et là je l'ai mis en plus bas. Et on voit que franchement ça éclaire plutôt pas mal. Donc franchement, pas déçu du tout. Donc, à voir après sur la durée, mais pour un petit truc, vu que comme il est pas gros, hein, regardez, vous l'avez vu, hein, il n'est pas super gros. Bah, respect. Ouais, 16 cm de diamètre. Donc vous voyez, c'est pas super gros. Et ben super. À voir après dans la continuité, comment ça fait. Donc là, comme je vais réaménager tout, et je sais que ça fait un moment que je le dis, mais là, il faut vraiment que je le fasse. Donc ben je pourrais la remettre comme il faut, il y a sera bien calé. Là je l'ai calé derrière, mais on fera autrement après. Donc j'ai acheté ben, des utiles, hein, semelles. Voilà, après ça vaut ce que ça vaut. Donc voilà, elles sont comme ça. Et ben, c'est surtout pour éviter les chocs quand on marche. Et moi ça me fait super mal sinon. Donc voilà, en principe je les prends chez Action, ils ont des super semelles et tout. Mais là, j'arrive plus à en trouver. Donc, j'étais là. Allez, comme il m'en faut, je me suis acheté une nouvelle botte. Il faut que je les mette dedans. Donc, voilà. C'est la dernière fois, je les avais prises pour aller à Bordeaux. Et j'ai dégusté. J'étais après, j'étais en train de marcher en canard, comme une mamie, quoi. Parce que tellement j'avais trop mal. Ça me faisait super mal aux pieds. Alors, j'ai racheté. Dis-moi pas que c'est pas vrai. Ah ouais, je l'ai acheté deux fois. Ben ça m'en fera deux. Comme ça, j'en aurai une d'un côté, une d'autre. Bon. Puis au moins, s'il y en a une qui tombe, qui est en rade, ben, j'en aurai une deuxième. Ah ben, franchement, je suis vraiment trop bête. Je n'avais même pas fait gaffe que je l'avais mis deux fois dans mon panier. Et ben tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. Comme ça, au moins. Ben. Ça. Alors, c'est beau. Mais c'est quoi? Non, je ne dis pas que c'est. C'est quoi? Ah oui, je me souviens. Ah, c'est vraiment des trucs pour filmer, pour utile. Hein, pour, enfin bon, je dis pas que le reste n'est pas utile, hein, mais c'est des choses qui vont me servir pour mon contenu en fait. Hein. Donc c'est plutôt pas mal. Alors, je sais pas, ah, si ça doit se monter comme ça. Je fais du bricolage en même temps, c'est cool. Je vous mettrai la photo du rendu.
Comme ça, vous verrez, vous pourrez vous faire une idée. Alors, ça doit être comme ça. Hier. Et la fille, hein, elle n'a pas le truc devant. Mais je suppose que c'est comme ça. Et ça pèse un poids, 100 poids. Hein. Voilà. Donc, ça, c'est. On le met dedans comme ça. Ben, je suppose que c'est comme ça. Ou pas. Ou peut-être l'autre. Ah oui, non. Ouais. La fille, elle est blonde, hein. L'oubliez pas, hein. Bon, même si ça se voit pas. Là, oui, c'était bien ce que je disais au départ. Donc, on a le petit socle, on a ça. Donc voilà, c'est comme ça. Ça, ben, c'est bien ce que je disais. Ça va dedans, mais il faut voir comment je dois le mettre. Sûrement. Comme ça. Voilà. On ferme. On oriente après comme on veut. Et voilà. Et si vous voulez, je mets mon téléphone dessus, ici. Et puis je peux prendre ou filmer ce qu'il y a en dessous. Sans avoir à tenir avec les mains et tout. Donc là, moi, je peux faire comme ça. Hein. Je peux le mettre comme ça gêne moins. Et je mets mon téléphone comme ça. Voilà. Donc ça, c'est plus. Ça, voilà, ça, c'est plus cool. Je trouve ça. J'ai trouvé ça intéressant. Parce que des fois, quand on veut prendre une photo. Comme ça, bah, ça fait, je sais pas si vous avez déjà fait en fonction de comment vous êtes placé par rapport à l'ombre. On voit tout, on voit les mains et tout, le téléphone en ombre. Donc c'est pas très cool. Donc là au moins on pourra peut-être orienter un peu plus. Bon, il n'y a pas de haut en dénivelé. Mais bon, après, pourquoi pas. Après, on peut le mettre comme ça, et style, on veut filmer, on l'a juste en face de nous. Hein. C'est plutôt bien aussi, hein, où on veut prendre une photo. C'est intéressant. Donc, on verra comment je vais l'utiliser, mais en tout cas, ça sera utilisé, c'est sûr. Après, j'ai pris des pochettes comme ça pour envoyer les colis. Voilà, des enveloppes comme ça à bulles. Ça bulle à l'intérieur. Et ce format-là, parce que j'en avais d'autres, mais elles sont plus petites. Ouais, elles font comme ça, là. Je vous les avais déjà pris. Ouais, divisées en quatre. Enfin, un quart de ça quoi, donc c'est pas très très grand. Donc ça c'est plus grand, donc je pourrais mettre des choses dedans. Pas des choses, mais bon, quand j'envoie des masques aux copines ou des trucs comme ça peut être sympa. Donc on arrive à la fin, je crois que c'est le dernier article, hein. Et donc ça c'est un article qui va m'être bien utile aussi. C'est vraiment du, moi je vous l'ai dit, hein, c'est du produit utile. C'est un l'eau pour les micros. Vous voyez? Donc on a le micro que l'on peut mettre ici. Là. Il n'y aura pas d'excuse si vous ne m'entendez pas. On en a deux comme ça. Là. Donc on peut en mettre des deux côtés. Et on en a un. Style quand on fait des vlogs et tout ça. Ça. On peut le mettre donc directement sur le téléphone ou la caméra. Ça, c'est plutôt pas mal en port USB. Après, avoir. Et normalement, oui. Je l'ai pris qui s'adapte au mien parce qu'il y avait une prise, un embout pour les iPhones et un embout pour les téléphones normaux. Après, on peut mettre les petits embouts moumoutes. Regardez. Les petits moumoutes. Et je suppose qu'il y a le câble. Ouais, il y a le câble pour. Pour. Merde, j'ai pas mis en dessous, c'est pas grave. Et il y a le câble, donc là-dedans. Port USB, bien sûr, comme tout. Hein. Voilà. Donc ça, c'est super génial. Ça va être vachement utile. Donc là, j'aurai vraiment du matos. Bon, même si c'est du matos pas cher. Hein, mais au moins, je suis pas non plus. Je vais pas mettre des 1000 et des 100. Je suis pas rémunérée. Je suis pas. Voilà, donc c'est, je fais ça sur mes loisirs, après pour vous faire du contenu. Donc voilà quoi. Donc j'ai trouvé ça, c'est à l'endroit? Oui, c'est à l'endroit. Donc voilà, ce petit produit qui est en plus. Donc c'est tout. Donc c'est bien le dernier produit. Donc à part ça et ça, le reste, c'est que des produits pour filmer, pour faire du contenu. Entre ça, le micro. Entre ça pour le support,
entre le kit main libre, on va dire, et les deux ring lights. Voilà. Donc, ben, n'hésitez pas vous à me dire si vous avez déjà testé ce genre de produit sur le site Temu, si ben, ça vous intéresse ou quoi que ce soit. Donc déjà la ring light, je peux vous dire que ben, elle est pas mal. Après, il faudra voir en installant. Mais voilà. Après, on va voir pour les autres produits ce que ça va donner. Mais en tout cas, pour l'instant, je suis pas mécontente de ce que j'ai acheté. Ça a l'air de quali. C'est pas non plus des trucs tout petit ou parce que des fois on dit ouais, on va acheter ça et tout, puis en fait on est déçu que ça arrive. C'est vraiment pas ce qu'on attendait. Là pour l'instant, pas de déception. On va voir sur la durée. Bon, sur ce, je vous fais plein de bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, activer la cloche. Si vous voulez des informations sur les produits, n'hésitez pas à me les demander aussi. Bah, à très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous. Bisous, bisous, à très vite.